Hello! C'est Cécile. Bon, il a bien plu cette nuit, du coup, j'ai pas besoin de mettre mes chaussures, parce que enfin, mes tongs. Parce qu'en fait, je serais quand même mouillée, genre, que ce soit des petites claquettes ou sans claquettes, bah, je serais mouillée. Un peu de vent. Il y a un chat sur ma route. Qu'est-ce qu'il me raconte, mon chat? Tu viens de baigner avec moi? On va se baigner, mon amour? On va se baigner? Tu viens? On va se baigner, mon chat? Je vais me baigner. À tout à l'heure. Je vais faire un film. Tout à l'heure. Voilà, donc oh, c'est bon, marcher voilà, comme ça, la terre qui est moelleuse, que c'est bon. Donc voilà, toute l'année, je suis pieds nus en fait. Je marche pas pieds nus, j'ai des sandales en plastique. Parce que bien sûr, tous les jours, bah, je suis dans l'eau, j'adore l'eau, ça m'apporte. Plein de douceur, de sensualité, de jeu, de fraîcheur. J'adore l'eau. Et voilà. Donc ce matin, je t'emmène avec moi. On va aller se baigner un peu à la rivière. Bon, il a plu toute la nuit, hein. Il a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme tu l'as vu, on a un peu. Comment ça s'appelle? Inondé, arrosé. Oh, c'est sympa. Ça se trouve, on va rencontrer des grenouilles et tout ça. Donc voilà, j'ai à peu près, je sais pas, 10 minutes de marche. Donc, on se retrouve tout à l'heure au bord de l'eau. Donc, bien sûr, je vais m'amuser à marcher dans les flaques d'eau comme les enfants. J'ai mon enfant intérieur qui est très, 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 très présent. Depuis 14 ans, 15 ans maintenant. Depuis 15 ans, que 15 ans, j'ai décidé de vivre dans la nature tous les jours. Le matin, quand je me réveille, bah voilà, comme on a vu tout à l'heure, bah c'est les pieds dans l'eau quand il pleut. Tout de suite dans la nature au lever du lit. Des fois, on a le lit à même le sol, donc ça change. Nous avons une vie où le lendemain n'est. Oh là là, c'est sensationnel. Voilà, comme ça, c'est pas tous les jours ici qu'il pleut. Nous avons une vie où. Où on ne sait pas ce que va être le lendemain. On a une vie sensationnelle. On prévoit rien du tout, en fait. Enfin, on prévoit au jour le jour. Si on a envie d'aller à un endroit ou à un autre, on prévoit comme ça au jour le jour. Et donc, ce que je voulais dire, c'est par exemple, il y a une amie hier qui nous a dit, ouais, bah s'il y a des inondations de prévues dans la région, je vais peut-être aller vivre dans l'Aude. Et on a discuté hier avec André en disant, bah ouais, bah nous, on peut pas dire ça parce que. Parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi est fait demain. On peut bouger de cet endroit, de là où nous sommes en ce moment. Du jour au lendemain, quoi. On ne sait pas de quoi demain est fait, en fait, nous. Et en fait, c'est super léger, quoi. C'est comme sensation, c'est pas. On ne peut pas prévoir. Voilà. On va dire, dans un an, je serai là, ou.
toute façon, comme notre vie, nous, on est là, on est présent, voilà. Où c'est que j'habite? Bah voilà, j'habite là. Là où la terre m'accueille, c'est-à-dire que si demain ce lieu-là n'est plus pour moi ou pour nous, avec André, bah on va bouger quoi. De toute façon, notre objectif c'est de bouger. On sent bien que d'avoir un terrain c'est lourd parce que bah ouais, ton terrain risque d'être inondé ou je sais pas, tu risques d'avoir des voisins bruyants ou je sais pas, j'en sais rien. Il peut être pris par la mairie vu qu'il y a des pouvoirs extérieurs. En fait, quand tu possèdes plus rien, bah y a plus rien quoi. Il y a juste l'être qui crée en permanence. Ce que je suis en train de faire, voilà, je suis en train de marcher à droite et à gauche et à créer, que dire, ah bah je vais marcher dans un flaque d'eau par là, marcher dans l'autre flaque d'eau, et en fait, c'est sensationnel de s'alléger avec notre matériel et de créer, de pouvoir créer en permanence qui nous sommes. Puis bah non, nous n'avons pas peur de la pluie. Voilà, tu vois, je suis en train de m'amuser, voilà, les flaques d'eau, elles sont argileuses. Je kiffe ici aussi cet endroit. Comme ça, tu peux voir un peu le chemin aussi. Je pensais pas filmer, mais en fait, comme je discute, bah voilà. Donc, s'alléger et se retrouver plus dans l'être que dans la matière, ou ne pas se sentir prisonnier de la matière, quoi. S'en libérer quand il y en a trop, quoi. N'est-ce pas? Je me suis aperçue aussi que dans ma vie, j'avais plutôt tendance à avoir été éduquée à, comment on dit, à ne pas faire de bruit, à être une enfant sage, à ne pas déranger. Et puis même quand je demande quelque chose, que ça soit dans mon couple, enfin surtout aujourd'hui dans mon couple quoi, et que l'autre, ça peut parler à des femmes justement, ça, la mémoire des femmes, de pas déranger et tout ça. Bon, ça peut être aussi, ça peut parler aussi aux garçons, hein. Et que qu'en fait tu dis une fois une chose, tu dis à l'autre, bah voilà. Tu demandes un truc à la personne et en fait la personne elle est pas disponible à te le donner et voir dans cet instant là c'est pas du tout son goût, son intérêt, ou elle dit non, en fait elle dit non. Et moi, dans ma façon de penser, le non il est figé pour toute la vie, en fait. J'étais comme ça avant. C'est-à-dire que la personne, pour comme si j'insistais ou je voulais pas entendre ce que la personne avait dit, eh ben je vais pas lui redemander puisqu'elle a dit non dans ce temps-là et dans cette fois-ci. Et en fait, la vie, non, la vie, elle est pas figée, elle est jamais figée. Il suffit de regarder le vent, le ciel, le soleil, les oiseaux, l'eau, tout est en mouvance en permanence. Et bon, il m'aura fallu quand même 46 ans d'expérience et de sentir que c'est assez rigide de dire que quand quelqu'un a dit bah non, j'aime pas ça, et bah c'est pour toute la vie, bah non, c'est pas pour toute la vie. C'est le message que j'ai passé aussi aujourd'hui, c'est que bah oui, voilà, c'est comme l'eau, le vent, ça bouge, et une personne peut bouger. C'est pas parce qu'elle dit qu'elle aime pas ça en cette période là qu'elle peut pas revenir sur son point de vue un peu plus tard. Et qu'en fait, le message que j'ai à dire, c'est vivre, c'est insister. Vivre, c'est insister. Insister dans qui je suis et insister dans ce que j'ai envie de vivre. Bon, bien sûr, c'est pas insister avec la personne 15 fois dans la journée. C'est ce que je viens de dire, justement. Mais c'est réessayer plus tard, à d'autres moments. Et pas se dire, c'est pour la vie, que c'est figé comme ça. C'est ce que je me suis toujours dit, moi. Et c'est ce qui m'a fait beaucoup souffrir et ce qui peut aussi faire souffrir l'autre. Donc c'est insister dans
dans qui je suis, dans ce que j'ai envie de vivre à d'autres moments. C'est me laisser l'opportunité, c'est sensationnel. Hein. Donc c'est vraiment une expérience sensationnelle là que je fais parce que c'est pas tous les jours qu'il pleut comme ça. Oh là, j'adore marcher dans les flaques. Les grosses flaques. Oups là, il y avait un caillou. Et donc voilà, vivre, c'est insister avec l'autre dans sa joie d'être soi et de demander à l'autre ce que j'ai envie de vivre avec l'autre. Et c'est le gros message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Ça fait pas mal de temps que je voulais faire une vidéo à ce sujet. Et puis comme je m'éclate dans les flaques, et ben, j'en parle aussi. Alors voilà, si t'es une personne comme moi, insiste, je t'encourage à insister, à te positionner dans qui tu es, à insister à être dans ta vibration, à insister à sourire, exister, être joyeuse. Je t'encourage à te le dire tous les jours que tu mérites de te rendre joyeuse et joyeux, que chacun mérite de s'éclater comme moi je le fais à mon niveau à moi, voilà. Toi, ça peut être, je sais pas, en faisant des bons petits plats à tout le monde, ou en faisant de la musique, ou en faisant des peintures, en faisant de la déco, en faisant de la couture, du tricot, tout est possible. Et puis partager notre bonheur de tout ce qu'on vit, chacun à notre niveau, c'est sensationnel, quoi. C'est sensationnel d'écouter l'autre dans sa fréquence, d'écouter l'autre personne. Ah, c'est quoi une chose, non ? Une petite bouteille. D'écouter l'autre dans sa fréquence, nous parler d'elle, nous parler qu'aujourd'hui elle est fatiguée, ou qu'aujourd'hui elle a envie de faire ça, ou voilà. Sans juger, et d'avoir l'élan du cœur d'écouter, l'élan de tout l'être, de l'esprit, de l'âme, d'écouter l'autre dans sa fréquence et d'exprimer ce qu'il ou elle a envie de dire. Voilà, ce serait une petite vidéo sur mon parcours. L'année dernière, j'en avais fait une. Parce que j'allais à un autre endroit pour aller me baigner. Là, je vais à celui-ci. Hop là, elle est profonde, celle-là. Hop là. Je fais un petit détour dans celle-là. Voilà. C'est magnifique, cette nature. Après, si tu veux de la douceur, bah, tu vois, tu marches pieds nus dans l'herbe. C'est trop bon. Que de sensations. Oh, que c'est bon. Donc, depuis plus de 15 ans, j'ai toujours aimé la nature. J'allais me baigner. Et je vais me baigner partout, partout, dans tous les lieux. Moi. Dans toutes les flaques d'eau, là, il y en a une. Oh là là. J'adore le reflet des arbres dans l'eau. Sensationnel. Ça te fait une double nature, tu vois. Attends, je fais un petit tour quand même parce que là, tu vois ça. Oh là là, c'est bon. Ça fait des mini lacs en fait. Pas belle celle-là, hein? On va aller de l'autre côté. Oh là là. C'est de l'eau toute fraîche de ce matin, toute douce. Franchement quand même. Hein? Je suis à mi-mollet là. On va aller voir comment... De quelle couleur est le teck? Est-ce qu'il coule vite? Est-ce qu'il coule doucement? Qu'est-ce qu'il a décidé aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que Dame Nature a prévu pour nous ce matin? Bon, on n'a pas vu de grenouille. Hein. Plein de belles flaques d'eau, franchement. Ouli, allez. Et coucou Dame Nature, je t'aime. Bon voilà, je peux aller me balader par là et tout le long là il y a le teck.
ça serait justement l'occasion d'aller se promener pieds nus là par là, des endroits où il va y avoir plein de flaques d'eau, où je vais pouvoir m'amuser. Bon, pour l'instant, on va aller voir le tech. Là, c'est où on a déjà fait des vidéos avec André. On a accueilli des mauves. On a accueilli de la menthe. On a accueilli des kénopodes, des orties. Ça va, t'as pas trop froid? Oh là 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 là, ah bah oui, ah bah il a triplé, il a quadruplé le tech, il est tout marron. Ah bah oui. Je vais te montrer ça, tu vas voir un peu. Dame nature, bah oui, tout marron là. Il est tout marron. Oh là, il y a des trous. Ah oui, il a bien monté. Voilà le tech pour ce matin. Bon. Je vais aller voir un endroit où c'est moins profond. Parce que là, ouais, en plus, ça ramène les déchets là, je vais peut-être pas me baigner là, puis ça se trouve c'est un peu fort, je vais aller voir, je vais mettre les pieds un peu au-dessus quoi en fait. Que c'est beau, qu'est-ce qu'elle est belle cette nature. Il y a pas mal de bouts de bois qui descendent là. C'est pas magnifique ça un peu, hein? Waouh. Ah, c'est un pneu de voiture ça. Regarde, tu vois là, c'est une chambre à air, ça? Non, c'est un pneu de voiture. Regarde, ça tourne là-bas. Tu peux voir? Ouais, c'est un pneu. Un pneu de voiture qui se balade. Je sais pas si tu le vois à ton niveau, je vais essayer de l'agrandir. Regarde! Magique! Il y a des surprises dans l'eau. Bon voyage! C'est excellent comment elle descend. Bon, je vais aller voir un peu au-dessus. Parce que là, on dirait que ça monte encore. Hein. Donc je disais aussi que quand on vit dans la nature et puis quand on se pose pas toutes les questions que les gens se posent quand ils sont dans leur appartement ou quand ils sont coupés de dame nature, tu vois, les taupes pressées nous font des beaux trucs. Alors ça c'est de la bonne terre toute moelleuse. Là je peux me faire un dessin de pied comme dans l'argile. Oh que c'est beau, c'est mon pied. Donc avec les tempêtes, oui. Avec les tempêtes, il faut passer sous les arbres. Soit dessous, soit dessous, soit dessus. Donc je disais, bah, les gens qui vivent dans leur appartement et qui ne sont pas en contact du ciel et de la terre avec leur corps toute la journée, eh bah, c'est sûr qu'ils se posent des questions. Savoir si j'ai froid. Si on n'est pas inondé, si ceci, si cela, mais en fait, tu vois, la terre, elle absorbe très bien, là, c'est sec, à certains endroits. Et puis, le corps s'adapte à la température extérieure. Donc, moi, je suis la plupart du temps en robe toute l'année, et il y a des jours où peut-être je suis fatiguée, où il fait un peu plus froid, ou je sais pas. Ben, je me mets un petit pantalon en dessous de ma robe, là, un petit leggings. Et puis, et puis voilà, ça se passe bien. Et en fait, avoir confiance en soi, en la nature, elle nous porte tout le temps en fait. Hein. Il suffit que on soit. La confiance nous porte. Waouh. Ça c'est un deuxième endroit où je vais me baigner. Bon, en fait, je me baigne tout le long de la rivière hein, en fonction de ce que j'ai envie de faire.
ça sent bon la rivière. Oh bah elle est bonne l'eau, elle est un peu... Voilà, en fait non, il fait bon, il fait doux. Bah des fois je suis même en robe et bras nus parce que le fait d'aller me baigner tous les jours, bah ça me met en synchronicité avec la terre, en synchronisation avec les éléments. Ma température de mon corps se cale, quoi. Je sais pas, là j'ai chaud, tu vois. J'ai les pieds dans l'eau, j'ai marché. Je suis en petite robe, j'ai ma serviette, voilà, j'ai ma petite robe, tu vois, elle est voilà, au-dessus des genoux. Et mais j'ai pas froid en fait, je sais pas, il y a le corps qui est de manière naturelle qui s'adapte. Et bien sûr, les gens dans leur appartement disent « Oh là là, t'as pas froid, oh là là, vous êtes pas trop inondés Ça, c'est les gens d'appartement qui sont enfermés, qui sont pas en contact jour et nuit avec la nature. Et bien sûr, il y a de la méfiance et donc il y a de la peur. Voilà. Nous, ça fait 15 ans qu'on est comme ça, en harmonie avec cette belle dame qui me passionne. Avec laquelle on s'harmonise de façon naturelle en fait. Hein. Et tout se passe très bien, c'est fluide comme cette eau-là, voilà, il y a beaucoup d'eau, elle coule. Tout va s'harmoniser tout seul en fait, et nous on est pareil. Nous sommes pareils que la nature, on s'adapte en permanence, en totale mouvance. Et en fait la peur elle nous fige, donc bon. Voir s'il y a du courant là. Il y avait un petit barrage ici avant que les enfants avaient fait, bah, il n'y en aura plus. Hein. Voilà, voilà, c'était la baignade du jour de Cécile. Peut-être que je vais aller me baigner quand même. Hein. Au final, elle est bonne. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Elle est bonne ou pas? Toi qui vis tout le temps dehors, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que tu te baignes au mois de fin novembre comme aujourd'hui? Tu viens, on va se baigner? Bon, elle est marron, mais c'est pas grave, c'est de l'argile. Hein? Tout est sensationnel. Il y aura quelques feuilles dans mes cheveux. Parce qu'en fait, j'ai du mal à ne pas mettre la tête dans l'eau quand je suis dans l'eau. Ça s'appelle la globalité du corps. Le pneu n'est plus là. Allez, belle journée à tous. Merci du partage. Bisous, bisous. Tchuss. Oh, regarde le gros bout de bois. Donc en fait, j'ai décidé d'aller me baigner. Mais il faut que j'évite les tronçons de bois, tu comprends? Bah ouais, c'est marrant de voir... La folie des grandeurs. Voilà, je vais me baigner maintenant. J'ai décidé. Comme ça, voilà. Hop là. Alors, je vais faire une petite vidéo. Dans l'autre sens pour te montrer. Peut-être après tout. Ah ouais, il y a du bois là. Est-ce qu'il y a du bois qui arrive là? J'ai l'impression qu'il y a... Non, il y a tout. Voilà, je suis dans le Tech en cru, en petite crue, c'est une petite crue quand même. Hein. Mais c'est de cette nuit, hein, donc ouais, même ce matin il a plu. Il n'y a pas longtemps que ça s'est arrêté, donc voilà. On va expliquer une tête, hein, quand même. Soyons fous. Hein. Bon, il n'y a pas grand monde hein, quand même. Hein. C'est un peu désert, il n'y a pas beaucoup de baigneurs, je sais pas pourquoi. Ça doit pas être assez vivant, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Je pense...
pense que c'est pas assez vivant la nature quand il pleut, quand il y a du vent. Tu fais un peu plus froid que l'été. C'est vachement vivant, moi. Je sais pas comment on se voit. Bon alors, attention, il va falloir éviter les tronçons de bois. Il y en a plein partout, regarde. Je sais pas si tu les vois à ton niveau, moi je les vois bien. Il va falloir que je regarde ce qui se passe dans l'eau, mais en fait, il va juste falloir lâcher prise. Il y a plein de massages de milliards de petites feuilles dans mes jambes. Voilà, on va essayer d'aller un peu plus profond. Voilà, et là je pense qu'il y a des... Oh, oh, il y a de la profondeur. Bon, peut-être je vais me faire embarquer par le courant. Non, quand même pas, c'est fou. Ça serait trop rigolo. Non, mais c'est rigolo, quoi. Hein? T'as déjà fait ça, toi? Une bonne baignade en creux, hein? Allez, je vais me mettre un peu la tête sous l'eau, c'est parti. Yo! Ça y est, j'y suis. Ouh, il y a plein de feuilles. Ouh. Oh, vous ziotez s'il n'y a pas un tronçon qui arrive là. Hein. Soyons vivants avec cette belle nature qui nous accueille tout le temps. Oh, qu'elle est bonne. Oh, que c'est buenas. Il y a une super odeur de base de rivière que j'adore. Que dans mon enfance, je me baignais dans des rivières. J'adore cette odeur. Sensationnelle. Je revis. Je vis. Je vis, je vis, je vis. Les petits bouts de bois qui me caressent. Voilà, c'était Cécile à la folie. Cécile à la folie de la vie. J'adore la vie et que je te partage que j'adore ma vie. Et que soyons fous, soyons vivants. Oh, les feuilles me caressent de partout. J'ai plein de petits bouts de bois partout, c'est sensationnel. Maintenant, hein. Allez, belle journée à tous et soyons fous dans notre vie. Yeah. Hello. C'est Cécile. Bon, il a bien plu cette nuit, du coup, j'ai pas besoin de mettre mes chaussures parce que, enfin, mes tongs, parce qu'en fait, je serais quand même mouillée, alors, que ce soit des petites claquettes ou. Sans claquette, bah, je serai mouillée. Il y a un peu de vent. Il y a un chat sur ma route. Qu'est-ce qu'il me raconte, mon chat? Tu viens de baigner avec moi? On va se baigner, mon amour. On va se baigner. Tu viens? On va se baigner, mon chat. Je vais me baigner. À tout à l'heure. Je vais faire un film. Oui. Tout à l'heure. Voilà, donc, oh, c'est bon, marcher comme ça, la terre qui est moelleuse, que c'est bon.
on voit là toute l'année. Je suis pieds nus en fait. Je marche pas pieds nus, j'ai des sandales en plastique. Parce que bien sûr, tous les jours, bah, je suis dans l'eau, j'adore l'eau, ça m'apporte plein de douceur, de sensualité, de jeu, de fraîcheur. J'adore l'eau. Et voilà. Donc ce matin, je t'emmène avec moi, on va aller se baigner un peu à la rivière. Bon, il a plu toute la nuit, hein. Il a plu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme tu l'as vu, on est un peu... comment ça s'appelle ? Inondé, arrosé, oh c'est sympa. Ça se trouve, on va rencontrer des grenouilles et tout ça. Donc voilà, j'ai à peu près, je sais pas, 10 minutes de marche. Donc, on se retrouve tout à l'heure au bord de l'eau. Bon, bien sûr, je vais m'amuser à marcher dans les flaques d'eau comme les enfants. J'ai mon enfant intérieur qui est très 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 présent. Depuis 14 ans, 15 ans maintenant. Depuis 15 ans, j'ai décidé de vivre dans la nature tous les jours. Le matin quand je me réveille, bah voilà, comme on a vu tout à l'heure, bah c'est les pieds dans l'eau quand il pleut. Tout de suite dans la nature au lever du lit. Des fois, on a le lit à même le sol, donc ça change. Nous avons une vie où le lendemain n'est... Oh là là, c'est sensationnel. Voilà, comme ça, c'est pas tous les jours ici qu'il pleut. Nous avons une vie où... où on ne sait pas ce que va être le lendemain. On a une vie sensationnelle, on prévoit rien du tout en fait. Enfin, on prévoit au jour le jour. Si on a envie d'aller à un endroit ou à un autre, on prévoit comme ça au jour le jour. Et donc, ce que je voulais dire, c'est par exemple, il y a une amie hier qui nous a dit « Ouais, bah s'il y a des inondations de prévues dans la région, je vais peut-être aller vivre dans l'Aude. » Et on a discuté hier avec André en disant bah ouais bah nous on peut pas dire ça parce qu'en fait on sait pas de quoi il fait demain. On peut bouger de cet endroit de là où nous sommes en ce moment du jour au lendemain quoi. On sait pas de quoi demain est fait en fait nous. Et en fait, c'est super léger, quoi. C'est comme sensation, c'est pas... on peut pas prévoir, voilà. On va dire, dans un an, je serai là, ou... De toute façon, comme notre vie, nous, on est là, on est présent, voilà. Où c'est que j'habite? Bah voilà, j'habite là. Là où la terre m'accueille, c'est-à-dire que si demain, ce lieu-là n'est plus pour moi ou pour nous, avec André, bah... Bah, on va bouger quoi. De toute façon, notre objectif c'est de bouger. On sent bien que d'avoir un terrain c'est lourd parce que bah ouais, ton terrain il risque d'être inondé ou je sais pas, tu risques d'avoir des voisins bruyants ou je sais pas, j'en sais rien. Il peut être pris par la mairie vu qu'il y a des pouvoirs extérieurs. En fait, quand tu possèdes plus rien, bah y a plus rien quoi. Il y a juste l'être qui crée en permanence. Ce que je suis en train de faire, voilà, je suis en train de marcher à droite et à gauche et à créer, que dire, ah bah je vais marcher dans la flaque d'eau par là. Marcher dans l'autre flaque d'eau. Et en fait, c'est sensationnel de s'alléger avec notre matériel et de créer, de pouvoir créer en permanence qui nous sommes. Puis bah non, nous n'avons pas peur de la pluie. Voilà, tu vois, je suis en train de m'amuser. Voilà, les flaques d'eau, elles sont argileuses. Je kiffe ici aussi cet endroit. Comme ça, tu peux voir un peu le chemin aussi. Je pensais pas filmer, mais en fait, comme je discute, bah voilà. Donc, s'alléger et se retrouver plus dans l'être que dans la matière, ou ne pas se sentir prisonnier de la matière, quoi. S'en libérer quand il y en a trop, quoi.
n'est-ce pas? Je me suis aperçue aussi que dans ma vie, j'avais plutôt tendance à avoir été éduquée à, comment on dit, à ne pas faire de bruit, à être une enfant sage, à ne pas déranger. Et puis, même quand je demande quelque chose, que ça soit dans mon couple, enfin surtout aujourd'hui dans mon couple, quoi, et que l'autre, ça peut parler à des femmes, justement, ça, la mémoire des femmes, de ne pas déranger et tout ça. Bon, ça peut être aussi, ça peut parler aussi aux garçons, hein. Et que qu'en fait, tu dis une fois une chose, tu dis à l'autre, ben voilà, tu demandes un truc à la personne et en fait, la personne, elle est pas disponible à te le donner et voir dans cet instant-là, c'est pas du tout son goût, son intérêt ou. Elle dit non en fait. Elle dit non. Et moi, dans ma façon de penser, le non, il est figé. Il est figé pour toute la vie en fait. J'étais comme ça avant. Je cherche la personne pour. Comme si j'insistais ou je voulais pas entendre ce que la personne avait dit. Et ben, je vais pas lui redemander puisqu'elle a dit non. Dans ce temps-là et dans cette fois-ci. Et en fait, la vie, non, la vie, elle est pas figée, elle est jamais figée. Il suffit de regarder le vent, le ciel, le soleil, les oiseaux, l'eau, tout est en mouvance en permanence. Et bon, il m'aura fallu quand même 46 ans d'expérience et de sentir que c'est assez rigide de dire que quand quelqu'un a dit « bah non, j'aime pas ça », et bah c'est pour toute la vie, bah non, c'est pas pour toute la vie. C'est le message que j'ai à passer aussi aujourd'hui, c'est que, bah oui, voilà, c'est comme l'eau, le vent, ça bouge, et une personne peut bouger, c'est pas parce qu'elle dit qu'elle aime pas ça en cette période-là qu'elle peut pas revenir sur son point de vue un peu plus tard. Et qu'en fait, le message que j'ai à dire, c'est vivre, c'est insister. Vivre, c'est insister. Insister dans qui je suis et insister dans ce que j'ai envie de vivre. Bon, bien sûr, c'est pas insister avec la personne 15 fois dans la journée. C'est ce que je viens de dire, justement. Mais c'est réessayer plus tard, à d'autres moments. Et pas se dire, c'est pour la vie, que c'est figé comme ça. C'est ce que je me suis toujours dit, moi. Et c'est ce qui m'a fait beaucoup souffrir et ce qui peut aussi faire souffrir l'autre. Donc, c'est insister dans qui je suis, dans ce que j'ai envie de vivre, à d'autres moments. C'est me laisser l'opportunité, c'est sensationnel. Hein. Donc c'est vraiment une expérience sensationnelle là que je fais parce que bah, c'est pas tous les jours qu'il pleut comme ça. Voilà, j'adore marcher dans les flaques. Les grosses flaques, oups là, il y avait un caillou. Et donc voilà, vivre, c'est insister avec l'autre dans sa joie d'être soi et de demander à l'autre ce que j'ai envie de vivre avec l'autre. Et c'est le gros message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Ça fait pas mal de temps que je voulais faire une vidéo à ce sujet. Et puis comme je m'éclate dans les flaques, eh ben, j'en parle aussi. Alors voilà, si t'es une personne comme moi, insiste. Je t'encourage à insister, à te positionner dans qui tu es, à insister à être dans ta vibration, à insister à sourire, exister, être joyeuse. Je t'encourage à te le dire tous les jours que tu mérites de te rendre joyeuse et joyeux, que chacun mérite de s'éclater comme moi je le fais à mon niveau à moi, voilà. Toi ça peut être, je sais pas, en faisant des bons petits plats à tout le monde, ou en faisant de la musique, ou en faisant des peintures, en faisant de la déco, en faisant de la couture, du tricot, tout est possible. Et puis partager notre bonheur de tout ce qu'on vit chacun à notre niveau, c'est sensationnel quoi.
C'est sensationnel d'écouter l'autre dans sa fréquence, d'écouter l'autre personne. Ah, c'est quoi une chose, non ? Une petite bouteille. D'écouter l'autre dans sa fréquence, nous parler d'elle, nous parler qu'aujourd'hui elle est fatiguée ou qu'aujourd'hui elle a envie de faire ça. Ou voilà. Sans juger et d'avoir l'élan du cœur d'écouter, l'élan de tout l'être, de l'esprit, de l'âme, d'écouter l'autre dans sa fréquence et d'exprimer ce qu'il ou elle a envie de dire. Voilà, ce serait une petite vidéo sur mon parcours. L'année dernière, j'en avais fait une. Parce que j'allais à un autre endroit pour aller me baigner. Là, je vais à celui-ci. Hop là, elle est profonde, celle-là. Hop là. Je fais un petit détour dans celle-là. Voilà. C'est magnifique, cette nature. Après, si tu veux de la douceur, bah, tu vois, tu marches pieds nus dans l'herbe. C'est trop bon. Que de sensations. Oh, que c'est bon. Donc, depuis plus de 15 ans, bah, j'ai toujours aimé la nature. J'allais me baigner. Et je vais me baigner partout, partout, dans tous les lieux. Moi. Dans toutes les flaques d'eau, là, il y en a une. Oh. Oh là là. J'adore le reflet des arbres dans l'eau. Sensationnel. Ça te fait une double nature, tu vois. Attends, je fais un petit tour quand même parce que là, tu vois ça. Oh là là, c'est bon. Ça fait des mini lacs en fait. Pas belle celle-là, hein? On va aller de l'autre côté. Oh là là. C'est de l'eau toute fraîche de ce matin, toute douce. Franchement quand même. Hein? Je suis à mi-mollet là. On va aller voir comment... De quelle couleur est le teck? Est-ce qu'il coule vite? Est-ce qu'il coule doucement? Qu'est-ce qu'il a décidé aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que Dame Nature a prévu pour nous ce matin? Bon, on n'a pas vu de grenouille. Hein. Plein de belles flaques d'eau, franchement. Ouli, allez. Et coucou Dame Nature, je t'aime. Bon voilà, je peux aller me balader par là et il y a tout le long là il y a le teck. Ça serait justement l'occasion d'aller se promener pieds nus là par des endroits où il va y avoir plein de flaques d'eau où je vais pouvoir m'amuser. Bon pour l'instant on va aller voir le teck. Là c'est où on a déjà fait des vidéos avec André, on a accueilli des mauves. On a accueilli de la menthe, on a accueilli des kénopodes, des orties. Ça va, t'as pas trop froid? Oh là 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 là, ah bah oui, ah bah il a triplé, il a quadruplé le teck. Il est tout marron. Ah bah oui. Je vais te montrer ça. Tu vas voir un peu. Dame Nature. Bah oui, tout marron là. Il est tout marron. Oh là, il y a des trous. Ah oui, il a bien monté. Voilà le teck pour ce matin. Bon. Je vais aller voir un endroit où c'est moins profond. Parce que là, ouais, en plus, ça ramène
les déchets là. Je vais peut-être pas me baigner là, puis ça se trouve c'est un peu fort. Je vais aller voir, je vais mettre les pieds un peu au-dessus quoi en fait. Que c'est beau, qu'est-ce qu'elle est belle cette nature. Il y a pas mal de bouts de bois qui descendent là. C'est pas magnifique ça un peu, hein? Waouh! Ah! C'est un pneu de voiture ça. Regarde, tu vois là, c'est une chambre à air ça. Non, c'est un pneu de voiture. Regarde, ça tourne là-bas. Tu peux voir? Ouais, c'est un pneu. Un pneu de voiture qui se balade. Je sais pas si tu le vois à ton niveau. Je vais essayer de l'agrandir. Regarde! Magique! Il y a des surprises dans l'eau. Bon voyage! C'est excellent comment elle descend. Bon, je vais aller voir un peu au-dessus. Parce que là, on dirait que ça monte encore. Hein. Donc, je disais aussi que quand on vit dans la nature et puis quand on se pose pas toutes les questions que les gens se posent quand ils sont dans leur appartement ou quand ils sont coupés de la nature, tu vois, les taux pressés nous font des beaux trucs. Alors ça, c'est de la bonne terre toute moelleuse. Là, je peux me faire un dessin de pied comme dans l'argile. Oh, que c'est beau. C'est mon pied. Donc, avec les tempêtes, oui. Avec les tempêtes, il faut passer sous les arbres. Soit dessous, soit dessous, soit dessus. Donc, je disais, bah, les gens qui vivent dans leur appartement et qui ne sont pas en contact du ciel et de la terre avec leur corps toute la journée, eh ben, c'est sûr qu'ils se posent des questions. Savoir si j'ai froid. Si on n'est pas inondé, si ceci, si cela. Mais en fait, tu vois, la terre, elle absorbe très bien. Là, c'est sec. À certains endroits. Et puis, le corps s'adapte. Le corps s'adapte à la température extérieure. Donc, moi, je suis la plupart du temps en robe toute l'année. Et il y a des jours où peut-être je suis fatiguée, où il fait un peu plus froid, ou je sais pas. Ben, je me mets un petit pantalon en dessous de ma robe, là, un petit leggings. Et puis voilà, ça se passe bien. Et en fait, avoir confiance en soi, en la nature, elle nous porte tout le temps, en fait. Hein. Il suffit que on soit. La confiance nous porte. Waouh. Ça, c'est un deuxième endroit où je vais me baigner. Bon, en fait, je me baigne tout le long de la rivière hein, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Ça sent bon la rivière. Oh bah elle est bonne l'eau, elle est un peu. Voilà. Je risque d'être plein de feuilles et tout quoi en fait. Bon, y a des fois je me baigne, il y a des fois j'ai pas envie de me baigner, parce que là je sens que je vais être. Je vais être plein de feuilles parce que c'est. Il a vachement plu cette nuit et c'est tout frais. Bon bah. Sinon je me baigne et après je me prends une super belle douche. À l'eau de pluie plus claire. Voilà, en fait non, il fait bon, il fait doux. Bah, des fois je suis même en robe et bras nus parce que le fait d'aller me baigner tous les jours, bah, ça me met en synchronicité avec la terre, en synchronisation avec les éléments. Ma température de mon corps se cale quoi, je sais pas, là j'ai chaud, tu vois, j'ai les pieds dans l'eau, j'ai marché, je suis en petite robe, j'ai ma serviette, voilà, j'ai ma petite robe, tu vois, elle est voilà, au-dessus des genoux, et mais j'ai pas froid en fait, je sais pas, il y a le corps qui est de manière naturelle qui s'adapte. Et bien sûr, les gens dans leur appartement disent « Oh là là, t'as pas froid, oh là là, vous êtes pas trop inondés. »
Ça, c'est les gens d'appartement qui sont enfermés, qui sont pas en contact jour et nuit avec la nature. Et bien sûr, il y a de la méfiance et donc il y a de la peur. Voilà. Nous, ça fait 15 ans qu'on est comme ça, en harmonie avec cette belle dame qui me passionne. Avec laquelle on s'harmonise de façon naturelle, en fait. Hein. Et tout se passe très bien. C'est fluide comme cette eau-là. Voilà, il y a beaucoup d'eau, elle coule. Tout va s'harmoniser tout seul, en fait. Et nous, on est pareil. Nous sommes pareils que la nature. On s'adapte en permanence, en totale mouvance. Et en fait, la peur, elle nous fige. Donc, bon. On va voir s'il y a du courant, là. Il y avait un petit barrage ici avant que des enfants avaient fait. Ben, il n'y en aura plus, hein. Voilà, c'était la baignade du jour de Cécile. Peut-être que je vais aller me baigner quand même. Hein. Au final, elle est bonne. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? Elle est bonne ou pas? Toi qui vis tout le temps dehors, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que tu te baignes au mois de fin novembre comme aujourd'hui? Tu viens, on va se baigner? Bon, elle est marron, mais c'est pas grave, c'est de l'argile. Hein, tout est sensationnel. Il y aurait quelques feuilles dans mes cheveux. Parce qu'en fait, j'ai du mal à ne pas mettre la tête dans l'eau quand je suis dans l'eau. Ça s'appelle la globalité du corps. Le pneu n'est plus là. Allez, belle journée à tous. Merci du partage. Bisous, bisous. Tchuss.